Bon, ce coup-ci, je vais faire une vidéo bilan de ces défis de 100 jours pour voir un peu, et puis pour célébrer et féliciter toute cette belle saison, et puis voir si ça marche. Pour ceux qui... moi, j'en doute aucunement, donc ça marche. Donc rien que de là, je vais reprendre les intentions... Et toujours, genre, merci déjà avant tout, merci beaucoup Lilou, merci à tous ceux qui m'ont aidé pour ces conseils, ces intuitions, merci au guide, merci à moi, merci à cette communauté chaleureuse, merci à tous. Et merci pour ce fabuleux don, pouvoir qui est doté l'être humain, même les animaux, enfin les êtres, qui est une formidable... source de bénédiction et de joie de vie. Donc, merci à tout cela. Merci de faire réémerger, jaillir tout ce potentiel, toute cette vitalité, toute cette merveille, tout ce pétillage d'énergie, de douleur, d'extase, de magie, de mysticisme, de rencontre, de présence, d'amour, d'ouverture, de paix, d'aligné, de sympa, de bienveillant, de généreux. De partage riche, cette richesse, cette amicalité, ces entrevues, ces coquineries, ces petits jeux, ces petits taquinements, ces petits... Bon, allez. Allez, allez. Donc, mes intentions. Alors, c'était déjà les intentions. Ouais, voilà. 10 intentions. Alors, paf! J'avais mis aligné. Hop. Cultiver, être dans une forte énergie vitale. Et ben, pendant ces 100 jours, il y a forcément des baisses, mais comparé, non, 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 j'ai vraiment été dans une belle énergie, une bonne vitalité et tout. Non, mais ouais, vraiment excellent. Bon, je pratique beaucoup pour cela, mais si je compare à des autres périodes, donc nickel. Et je me suis beaucoup amusé, vraiment, dès le début, ce défi m'a plu, m'a parlé, j'ai senti quelque chose de très, 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 regardez, en plus, je suis même violet comme le, comme le caille, ouais. Donc, ouais, ça, tout de suite, ça me colle à la peau, voilà, ça va bien avec qui je suis, hein. C'est bon, c'est bien, ça me convenait complètement. Rayonner de cette énergie par projet valeur. Ouais, bah, je pense que j'ai bien. Ouais, j'ai fait les communications de partager et tout, ce qui était très enrichissant. Des partages intuitifs, j'ai eu des belles histoires, des beaux témoignages intuitifs. J'étais généreux dans les vidéos, je l'espère, ça me plaît toujours de faire les vidéos. Après, bon, je fais quand j'ai envie aussi, hein, mais je pense que j'étais quand même assez régulier, assez, ouais, j'étais bien régulier. Et puis j'ai eu des bons retours de joie, les gens s'apprécient, donc je suis très très content. Les gens, bon, désolé, mais bon, les vous qui me regardez, tout, je peux pas dire tout le monde en prénom. Il y a quand même Sandrine, il y a Sandra, je pense, des fois. Enfin, voilà, toute Eve, Julie, enfin, toutes les personnes du défi, toutes ces belles personnes. Voilà, c'est plus ces belles personnes. Et tout le monde, tous ceux qui ont visionné, voilà, je les remercie, ils sont sympas. Savourer, donc profiter de la vie, bah plutôt, ouais, je suis dans un bon kiff. J'ai eu plein de cadeaux, et puis les trucs intuitifs, ça aide au kiff, hein, ça aide à mieux vivre, à être là mieux dans les bons plans et tout, ouais, c'est ça, dans les bons spots.
C'est un bon spot l'intuition. Voilà, ça fait hop là. Jaillir un peu de lumière, un peu dans la phase obscure. Hein, voilà, s'amuser, voilà. Ça, c'était la quatrième. Elle a un peu de fun. Oh là là, que la lumière soit. Un peu d'ago aussi, t'as un peu ce côté. Voilà. Être plus attentif à cette intuition, être en lien et l'employé l'utiliser. Un peu de sérieux, mon petit gars, là. Eh ouais. Et ben là, être plus attentif à cette intuition, ben c'est à faire gagner. Bon. Ça peut être. Non, mais il y a des progrès, mais bon. Oui, bon, voilà, quoi, hein. Ok, oui, j'ai compris. Être mieux en lien avec l'employé. Bon, bah, oui, c'est élargir le panel. Bon, 6. M'ouvrir au-delà du possible à des nouveautés. Bon, donc là, ça s'ouvre vraiment à ça. Ah, ouais, là, ça s'ouvre. Voilà. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre à des possibles des nouveautés. Non, ça s'est bien ouvert à des possibles et des nouveautés. Et ouais, puisque les panels s'élargissent. Voilà, puis c'est au-delà du blabla. Voilà. Apprendre de l'intuition. Ça guide. J'ai appris beaucoup de choses sur l'intuition, toujours dans ce. Cette variété d'intuition, être plus à l'écoute et comment la développer, et comment la vivre à plein poumon. Ressentir de l'amour. Ah là, j'ai ressenti plein de. Oui, c'était très, très intense, hein, des périodes. Et c'était très, très, très bon. Ouais, voilà. Voilà. Être dans la non-dualité, reconnecter la nature de l'esprit. Alors là, c'est le paf! Des fois, ça fait paf. Parfois pas, mais c'est comme ça. Mais reconnecter la nature de l'esprit. Ouais. Respecter la nature. Il y a du boulot. Mais, je sais pas que je l'y respecte, mais nos modes de vie, il y a encore à faire, quoi. Et je pense qu'il y a encore toute cette démarche, vraiment, en se dressant comme le lion. C'est pour ça que je pratique beaucoup l'énergie vitale, pour ces projets qui me tiennent à cœur envers la nature, être plus à son service et peut-être le côté chaman aussi, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, je sais pas si je m'arrête un peu sur mes expériences ou pas, mais bon, je vais reprendre les bilans, 25, parce que 8 minutes, généralement quand c'est, j'aime bien plutôt faire court. Mais oui, parce que j'ai eu plein d'expériences très sympas. Oui, alors déjà j'ai appris désencombrer. Ça c'est bien. Très important. Cette démarche-là. Dans le faire, quoi. Comme outil. Ça, c'est un lâcher prise. Écouter plus. Un grand intuitif. Voilà ce que je ressens à propos de mes résultats. Heureux, formidable, comblé, génial, super, joyeux, excellent. Écouter plus aussi. Lâcher prise, tout ça. C'est pas mort. Après, j'ai eu la découverte de cette notion de l'intuition, cette vitalité, les guides, les maîtres, vie intense, beaucoup de rencontres, partages riches. Voilà, suivant les zones du corps. Ah, suivant les zones du corps aussi. Ça m'a bien parlé, ça s'est vachement développé. Voilà, j'ai partagé bien avec Sandra qui a déjà fait, bien entre guillemets plusieurs fois, j'aurais peut-être plus, mais qui m'a donné pas mal d'outils, elle a fait le cahier plusieurs fois. Se servir plus de l'intuition comme guide. Voilà,
Ah, c'est bien, oui, c'est pour ça que tu fais le cahier, mon gars. Oh, le jugement. Bon, je ressens de la joie et de la force. Un plus pour être plus heureux, servir Dieu dans le sens de la présence. Oui, ça, c'est important. Après, bon, j'avais toutes ces expériences qui m'avaient beaucoup surpris, comme de me retrouver guidé à un endroit, pas savoir pourquoi, mais c'était là vraiment pour ça, quoi. C'était vraiment, c'est ça qui est formidable. J'ai aimé les différents panels d'exercices, et aussi que ça correspondait chaque jour à ce que j'avais envie. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est juste aussi ça, c'est pour rassurer ceux qui ont 10 ouais, ou qui sont trop peut-être dans là-haut, quoi. Que rien que déjà de commencer le truc là, de me remplir et tout, en fait, paf, ça agit quoi. Déjà d'avoir ça entre les mains quoi, déjà d'y avoir. Paf, voilà. Alors, connexion. Ah oui, ça c'était magique avec la médium Aline Peugeot, c'était rigolo. Bonne fortune, ouais, j'ai trouvé 10 euros, des trucs comme ça. Toutes ces intuitions fortes, ouais, pour chercher des vis par exemple, des trucs, ça dit où est la vis, au lieu de chercher, ça me dit, tiens, ça doit être, ça chauffe, ça froid, ça vient peut-être là du truc, c'est chaud, c'est froid et tout, c'est un bon truc ça, l'exercice du chaud et du froid, où, quand on est ptio, on fait des trucs comme ça, tu chauffes, tu froid, ça pousse, pareil avec l'intuition, tiens, je vais inventer ce truc là, déco. Bon, allez, je vais pas trop. Ça fait déjà 11 minutes. Non, mais. Enfin, voilà. Pour... Mais j'ai une expérience très riche. Et je peux pas tout raconter. Hein. C'est 100 jours. Vous imaginez 100 jours chaque jour. Quelque chose de formidable. Alors, lancez-vous et bonne aventure à vous. Et encore, merci beaucoup, du fond du cœur, et du fun et de la joie, à vous, et du rire.